Mes amis, donc petite introduction à cette vidéo numéro 46 pour vous présenter brièvement ce qui va suivre, puis peut-être faire quelques petites observations générales concernant la situation au-delà de l'aspect directement militaire. Vous avez vu que le générique continue à évoluer, à explorer les interventions. De Mme Maria Zakharova. Et comme je l'ai dit depuis le début, c'est exclusivement parce qu'elle est pertinente dans ses interventions. Bon, c'est devenu un petit peu un gag privé entre nous. Et donc, euh, voilà. Je, je poursuis pour l'instant. par peut-être que je vais arriver à un générique où il n'y aura plus que Maria Zakharova. Alors là, on repartira à zéro et on redeviendra peut-être un peu plus sérieux. Alors, concernant la situation. Euh, nous sommes au moment de ce fameux sommet de l'OTAN à Vilnius, qui devait être un sommet des vainqueurs, puisqu'il a été programmé il y a fort longtemps, et qui s'est plutôt présenté comme un sommet des battus. Je suis assez ferme dans cette appréciation, c'est-à-dire que je crois que la défaite de l'Occident est consommée. La défaite par rapport aux enjeux initiaux au moment où s'est déclenchée l'opération militaire russe en Ukraine, mais tout ça avait commencé et bien avant, on peut citer 2014 bien, bien évidemment, avec le coup d'État du Maïdan. Alors, dans les dernières péripéties, euh, il y a celle qui concerne un petit peu la France, directement et indirectement. Indirectement, c'est l'attitude que nous avons adoptée par rapport à la décision américaine de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Alors, euh, je rappelle qu'il euh, s'agit là euh, d'armes considérées par plus de 100 pays qui ont signé les conventions internationales. Il s'agit d'armes de destruction qui sont autant de crimes de guerre. Hein. Ça avait d'ailleurs été euh, présenté comme tel par Madame Psaki en mois de février 2022. Madame Psaki, qui est euh, l'attachée de presse adjointe de la Maison-Blanche, euh, ben, c'est là où on voit que euh, l'ordre international, selon les règles, ben, les règles, elles changent. Alors, ce qui est intéressant dans la décision américaine, c'est la façon dont elle a été présentée par Joe Biden dans une interview. Il a dit, nous fournissons ces munitions parce que nous n'en avons plus d'autres. C'est-à-dire que c'est un aveu inouï. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus fournir des euh, munitions d'artillerie. Permettant à l'Ukraine de combattre et d'essayer de mettre en cause la supériorité russe. Par conséquent, nous utilisons, nous livrons des armes qui sont des crimes de guerre. Bien. Donc, ça, c'est la première observation assez étonnante. La deuxième, c'est l'attitude de la France qui dit Nous, on ne fabrique pas, nous, on ne livre pas, mais on comprend. On comprend que les Américains fassent ça pour aider l'Ukraine. Alors, je vais revenir sur une de mes cibles habituelles, qui est ce pauvre Monsieur Titelman, qui avait produit un tweet, j'en parle dans la vidéo, un tweet assez abject dans lequel il dit « Oh, c'est affreux, c'est très triste, c'est horrible, mais, mais, mais il faut équilibrer. Et comme les Russes les utilisent massivement en Ukraine, ce qui est faux, euh, c'est normal que les Ukrainiens puissent s'en servir. Euh, Hervé Carrez va nous dire l'intérêt de l'usage de ces armes dans le euh, conflit en cours. Et puis, la deuxième observation que je voudrais faire concernant la France, c'est la décision martiale annoncée par Emmanuel Macron, sans consultation de qui que ce soit, ni gouvernement ni parlement, de livrer des missiles SCALP pour frapper la Russie dans la profondeur. C'est sa phrase. Ce sont ces explications. C'est effectivement une escalade particulièrement intelligente. Hein, nous sommes en Europe, en Europe de l'Ouest. Ce euh, système européen est en crise sérieuse et en crise sociale pour ce qui concerne la France. C'est le moins que l'on puisse dire, hein, puisque on se prépare pour le 14 juillet et qu'on est très inquiet de la façon dont il va se passer. Alors, bravo. Je crois que de, dans ma vie, c'est la première fois que je vois une situation de ce type. Mais euh, M. Macron continue euh, euh, à jouer les vats en guerre. Alors il arrive aussi, il hein, faut reconnaître, il fait du en même temps, il arrive aussi qu'il euh, préconise la paix. Alors une victoire la plus victorieuse possible, maintenant des livraisons de scalp. Et puis on voit comment s'est déroulé le euh, sommet de Vilnius. La situation de l'Occident est loin d'être extraordinaire. Le problème, c'est que cette défaite qui se profile peut amener à des attitudes extrêmes et dangereuses, hein des attitudes d'escalade qui pourraient être difficiles à supporter pour le monde tel qu'il est. Voilà. Alors, ces petites observations étant faites, eh bien, écoutez, je passe la parole à Hervé Carès et je vous dis à très bientôt. J'avais pris un petit engagement concernant les entretiens, mais <laughs> les personnes sollicitées sont aussi en vacances, prennent du repos et elles ont bien raison. Moi, je peux justement combiner le repos, les petits-enfants et ces interventions. Tout le monde ne le peut pas ou ne le souhaite pas d'ailleurs. Donc, pas d'entretien cette semaine. J'espère pouvoir en obtenir pour la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt. Bonjour, bonjour à tous. Donc malgré euh, la canicule, malgré les vacances et la fête nationale qui se profile dans les, deux, dans les deux, deux jours, bah oui, deux jours puisque nous sommes le 12, malgré tout cela, notre ami Hervé a travaillé. Hein. Moi un peu moins, je ne le cache pas. Euh, moi un peu moins, donc il a travaillé et il va nous exposer quelques éléments de l'actualité, de l'actualité militaire essentiellement, bien évidemment. Donc, je lui passe tout de suite la parole. Merci, Régis. Bonjour à tous. Oui, donc, c'est une actualité militaire sur le plan des opérations qui est relativement calme. J'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, on va commencer par une petite projection sur les derniers armements dont on a parlé dans l'actualité de la guerre en Ukraine. Donc, je vais partager mon écran. Si tu as le... Tu m'as mis la... Là... Je viens de t'autoriser. Très bien. Et... Et voilà. Ok, donc là, il faut que je mette en version diaporama, parce que c'est toujours casse-pied, souvent parce que... Le, le, les, les, commandes de, les commandes de Zoom masquent les commandes de PowerPoint. Ah, d'accord. Bon. Mais là, c'est <laughs> tout, tout, tout l'écran, c'est <laughs> impeccable. Voilà, donc euh, on va parler d'abord de, de ces fameuses affaires des, des, des armes à sous livrées à, par les USA à l'Ukraine. Bon, beaucoup de choses ont été dites, on va essayer de synthétiser ce qui, les tenants et aboutissants de ce type d'armement. Ce sont des armements qui sont bien sûr portés par des vecteurs, des munitions qui sont portées par des vecteurs, que ce soit des roquettes, des obus d'artillerie ou des bombes aériennes. Évidemment, de nombreuses organisations non gouvernementales qui sont axées sur la protection des droits humains sont contre ces armes. Et il y a bien sûr une réglementation internationale sur ces armements-là, puisque... Globalement, en moyenne, il y a 30 à 40 des sous-munitions qui n'explosent pas, suivant le type de modèle, et ça a créé d'énormes dégâts chez les populations euh, des guerres, notamment des guerres du Vietnam ou du Laos. Laos le président du Laos s'est très remonté contre, contre et, et, ce type de munitions. Et, oui le, et le premier ministre, une scène cambodgien également, il a fait une, une déclaration assez émouvante d'ailleurs en disant Mais surtout ne faites pas ça. Quoi. Enfin, oui. Voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'évidemment, il y a une réglementation et un droit international dessus qui n'a pas été signé par l'intégralité des pays, et notamment sur les deux pays belligérants, l'Ukraine et la Russie ne sont pas signataires de cette convention d'Oslo de 2008, hein, mais également les États-Unis. Alors, il y a certaines obligations, bien sûr, pour les pays qui sont signataires de cette convention d'Oslo. Et euh, on voit que, bien sûr, euh, même si la France avait toujours des, des munitions de ce type-là, mais elle les a détruites, elle ne pourrait pas en livrer à l'Ukraine, par exemple, puisque euh, dès qu'on est signataire de cette convention d'Oslo, eh on a obligation de détruire les munitions. Ce qui n'est pas le cas, par contre, des États-Unis, qui vont pouvoir livrer ces munitions. Alors pourquoi, pourquoi la livraison de, de, de ces munitions ben Tout simplement, comme l'a dit Biden lorsqu'il a été interrogé par une journaliste à Brûle-Pourpoint, point, eh bien c'est parce qu'ils ils, n'ont plus de munitions. Ils n'ont plus de munitions et quand ils parlent, de ils n'ont plus de munitions. Ils n'ont plus d'obus d'artillerie et en particulier d'obus d'artillerie de 155. Ça veut dire que l'artillerie ukrainienne en fait a utilisé quasiment toutes les munitions qui avaient été fournies par les Occidentaux. Et les Occidentaux étant en peine pour compléter ces, ces, ces munitions classiques, les États-Unis qui ont énormément de réserves en termes d'obus à sous-munitions, donc les fameux M864, eh bien pour eux, ça a été en fait un pis-aller et une nécessité pour que l'artillerie ukrainienne continue à tirer en fait sur les Russes. Alors, on reviendra après sur, sur l'efficacité de ces munitions par rapport à la problématique qui est posée par les lignes de défense russes en l'état. Alors, quelles sont les capacités opérationnelles de ces munitions bien Pour schématiser, en fait, ce sont des munitions qui vont larguer un certain nombre de sous-munitions qui ressemblent à des grenades et qui vont exploser en général. Pas la majorité. On va dire que sur des munitions américaines, on peut considérer qu'il y a 14% des munitions qui ne risquent pas d'exploser. Ensuite, il y a un panachage de munitions, de grenades antipersonnelles ou anti-chars. Donc on est sur des obus qui sont chargés avec un panachage de, de grenades anti-chars et de grenades anti Ça va, Un obus va rayonner sur un rayon de 50 mètres et va disperser ses munitions à peu près sur une surface qui est équivalente à un ou deux terrains de foot suivant le... la configuration du terrain. Ce sont des munitions qui en fait sont faites pour traiter des cibles de surface. Quand je dis des cibles de surface, c'est en fait des cibles non protégées. Euh, un convoi logistique, par exemple, des troupes qui se déplaceraient à pied, mais ce ne sont pas des... Quand je dis un convoi logistique, ce sont des camions, en fait, ce ne sont pas des véhicules blindés, ce ne sont pas des munitions qui sont faites pour traiter des objectifs qui sont protégés, donc des lignes de défense. Donc, on peut considérer qu'on est vraiment sur un pis aller par rapport à la problématique de la ligne de défense russe qui est posée aux Ukrainiens. Alors il ne faut pas se leurrer, on a entendu quelques commentateurs à la télé qui parlaient de possibilité de déminer avec ces munitions, mais c'est complètement ridicule. Les seuls moyens de déminer par l'artillerie un champ de mine, c'est d'avoir des explosifs puissants. Donc ce sont des obus de 155 qui vont faire exploser les mines. Alors, le risque, bien sûr, c'est, euh, comme je l'ai dit. Euh, euh, tout simplement euh, le, le risque d'ajouter du surminage en fait à la zone qui aura été traitée c'est-à-dire que vous avez des troupes ukrainiennes qui doivent avancer face aux dispositifs défensif russes vous avez des munitions qui sont pas forcément les plus euh, adaptées à, à la situation c'est-à-dire à des, des troupes, à une ligne de défense qui est fortifiée elles vont traiter la ligne pas forcément avec efficacité mais derrière elles peuvent rajouter du surminage à la difficulté des Ukrainiens par rapport déjà au minage russe. Donc je pense que c'est euh, 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 vraiment un pis-aller qui peut avoir beaucoup plus d'inconvénients euh, en l'état actuel euh, de la configuration euh, des opérations où ce sont avant tout les Ukrainiens au sud qui cherchent à franchir la ligne de défense russe. Maintenant, il y a peut-être également un calcul euh, opérationnel et stratégique de la part des Américains. Parce que pour ceux qui suivent un peu les opérations sur le terrain, on s'aperçoit que sur la partie du front nord, vers l'Iman, les Russes sont en train de pousser, et de pousser de manière assez importante, en fait. Ils ont avancé d'environ de, 2 km sur un front de 65 km, je vous dis ça à la louche. Et là, par contre, on est typiquement, en cas de percée russe et d'exploitation, sur un type d'obus qui serait très efficace, en fait. Puisqu'il permettrait de, de gêner énormément une exploitation et une percée russe. Donc, bien voir derrière cette, cette, ce type de munitions une, une opportunité éventuelle pour gêner une possible percée russe ou offensive russe au nord. Alors, est-ce qu'il y a des antécédents sur le terrain de, de l'utilisation de ce type de munitions bon, Comme je vous l'ai dit, les deux belligérants euh, ne sont pas signataires de la Convention d'Oslo de, de 2008, ce qui veut dire que de part et d'autre, ils les ont utilisés, et, et notamment les Ukrainiens, et notamment les Ukrainiens sur également des populations civiles. Alors, je n'ai pas, pas le détail des, de l'utilisation des Russes, hein. de toute façon, les notions de morale à la guerre euh, sont vraiment des notions qui, qui, qui sont à, à géométrie variable dans la mesure où déjà la guerre euh, n'est pas une activité morale au sens propre du terme en fait puisqu'on est dans un processus de soumission de destruction ou d'imposition de, de sa volonté à un adversaire. alors après euh, il est clair qu'il y a des, des moyens de faire la guerre qui peuvent être beaucoup plus, euh, hum, beaucoup plus humaines pour les populations mais là on est sur un conflit de, de, de haute intensité et, et, et tous les moyens sont mis en œuvre pour, par les belligérants pour acquérir la décision. Donc, le fait est, est que, euh, sur Izium, les, les Ukrainiens avaient euh, utilisé des, des roquettes euh, à soumission justement, pour gêner les, les Russes lorsqu'ils ont commencé à se replier. Alors, il y a eu… Avait... Oui Excuse-moi, à Donetsk, euh, il y avait les fameuses euh, mines pétales dont on a… Mais là, on ne savait pas très, très bien. Oui. Euh, on savait pas très bien. A priori, euh, les, les, les séparatistes disaient qu'ils avaient été euh, ciblés. Euh, bah, bon, euh, c'était pas confirmé, enfin par des, 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 des intervenants euh, extérieurs. Euh, Shoigu a dit, euh, nous ne nous sommes pas servis de ce type de munitions mm. jusqu'à présent, mais par réciprocité, nous allons peut-être le faire. Alors, et, il affirme, nous ne nous en sommes pas servis. Ouais. Alors, sur, sur euh, l'usage, j'ai vu des vidéos où elles auraient été utilisées euh, en, au Moyen-Orient contre Daesh et contre ISIS. C'est assez effrayant quoi, hein, quand on mmh. voit... Euh, euh, alors bon, ce sont des vidéos, hein, euh, c'est assez effrayant le fonctionnement de ce genre de choses. Alors sur la question de la morale... Euh, oui, le, 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 la guerre n'est pas un acte moral, c'est tout à fait exact. Seulement, euh, la morale dans la guerre a permis de faire avancer le droit quand même. Le droit de la guerre, il y a un droit de la guerre. Il existe un droit de la guerre avec des sanctions s'il n'est pas respecté. Alors, je note que Mme Pesky, qui était porte-parole de la Maison-Blanche en 2022, a dit « l'usage des euh, euh, obus à sous-munitions est un crime de guerre ». Bon, on, on l'a fait taire euh, puisque euh, là aujourd'hui on vient nous dire comme nous n'avons plus de munitions, ce qui est assez fantastique quand même, l'aveu de Biden. Mais ce que dit Biden, c'est toujours effectivement on ne sait pas trop quelle est sa lucidité au moment où il s'exprime. Donc c'est quand même assez assez extraordinaire. Et tu nous dis que euh, sur le plan de la contre-offensive, sur le plan de l'attaque, ça n'est pas euh, efficace ou très utile en tout cas. Mais en revanche, en défense, c'est autre chose. Oui, exactement. En fait, euh, est, les, dans le cas d'une offensive au nord, par exemple, russe, euh, sur, pour reconquérir, le, les, finaliser la conquête du Donbass, euh, ça pourrait être très utile. En fait, hein, ça gênerait énormément les Russes. Pour en revenir au droit de la guerre, euh, quand on fait l'histoire du droit de la guerre et, et des procès qui ont suivi les conflits, en général, ce sont les. les les vainqueurs qui, qui, qui jugent les crimes de guerre du vaincu, on a rarement vu le contraire. Hein Jusqu'à présent, je n'ai pas d'exemple montrant que les vainqueurs avaient été jugés alors qu'eux aussi ont, ont bien sûr souvent euh, ciblé des populations et de manière assez inhumaine. Non, non, mais tout à fait. Et euh... Et on, euh, ne, ne, ne me ramène pas sur ce terrain hein, pour parler de M. George Bush, par exemple. Hein, effectivement, oui. tout un tas de choses qui n'ont pas, euh, pas été jugées. Cela étant, il y a eu, euh, quand il y a eu, grâce à la presse américaine, hein, et, et, et malgré euh, Colin Powell, euh, l'affaire de Milley a été, a été jugée. Elle a été jugée de façon très relative. Euh, Abu Ghraib en Irak a été également jugée. Bon, euh, c'est aujourd'hui avec euh, avec la visibilité, c'est vrai que ça, ça change quand même. Euh, et euh, moi, c'est un souvenir personnel très ancien hein, puisque c'était il y a 50 ans. Euh, le sujet qui m'avait euh, été donné euh, à la fameuse conférence du stage, euh, c'était y a-t-il un droit de la guerre Alors il y avait la positive et le négative, et, et j'avais Tirage au sort, hein. j'avais hérité euh, du positif. Je devais souvenir, soutenir euh, l'idée qu'il y avait et qu'il devait y avoir un droit de la guerre. Voilà, ça m'a laissé des traces. Bien sûr, et puis même plus récemment, lorsqu'on regarde le conflit en ex-Yougoslavie, on voit très bien que les crimes de guerre serbes ont été jugés, mais les crimes de guerre croates et bosniaques n'ont pas été jugés, par exemple. Tout à fait. Donc, il y a vraiment, y a vraiment euh, euh, derrière ce droit de la guerre, qui est un droit international, euh, des questions derrière son application, qui sont des questions euh, qui sont liées à des biais politiques d'application de ce droit de la guerre, en fait. Et on n'oubliera pas, on pas euh, le grand ami de, de, de ton ex-collègue Guillaume Ancel, euh, le spécialiste des plateaux anciens militaires qui passe son temps à tirer dans le dos de l'armée française. J'ai vu euh... que c'était ton copain aussi. Ah, oui, 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 non, mais ça, moi, c'est le, le soutien de Kagame, comme ça, c'est-à-dire que Kagame a gagné la, la, la guerre civile. Euh, les euh, organisateurs, les participants à l'abominable génocide euh, au, au Rwanda ont été poursuivis et le sont toujours. En revanche, lui, qui est fort probablement à l'origine de l'attentat qui avait coûté la vie à, à des pilotes français hein, qui pilotaient l'avion présidentiel euh, de, de, de Rwandais. Euh, les, les, les investigations des magistrats français ont démontré qu'il euh, était euh, fort probablement, plus que fort probablement impliqué. La raison d'État a voulu qu'on n'aille pas plus loin. Hein, à la grande de, joie de euh, Guillaume Ancel. De toute façon, ce, on va ouvrir une parenthèse puisque tu, tu en parles, ce conflit euh, au Rwanda, cette euh, guerre civile euh, qui est manipulée bien sûr par l'Ouganda, c'est un conflit d'influence géopolitique entre la France et les Anglo-Saxons. Et, et lorsque j'étais à l'école... Et Israël, et, oui. Israël. Bon, si, et, et en... Lorsque j'ai mes bons qui, qui a souvent été euh, euh, qui a été partie prenante en Ouganda de, en, en liaison avec les Anglo-Saxons et j'avais un, un camarade de promotion à l'école de guerre qui était officier d'artillerie qui avait été justement coopérant avec l'armée rwandaise l'armée rwandaise nationale. Puisqu'il y a eu différents, différents épisodes hein, pendant ce, ce conflit. Et euh, justement, il était avec une batterie de 105 mm en HM2. Et il me, dit, il me disait très clairement que sur les réseaux radios en face, hein, donc les réseaux radios du, du front de libération de Paul Kagame, ça parlait anglais avec l'accent british. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des SAS en face. Voilà. Donc tout est dit à partir de là. Et ça continue hein, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus de munitions, ils ont une, une après-midi de munitions. En revanche, euh, les, les services euh, spéciaux fonctionnent très bien. Ah, mais de toute façon, je suis en admiration moi, devant le, les services secrets anglais en, en termes d'opérations false flag, parce qu'on parle souvent de false flag chez les Russes, mais la grande spécialité des Anglais, et ils l'ont expérimenté souvent durant le conflit en Irlande du Nord, c'est de faire des, des opérations. De, pour troubler l'adversaire et notamment euh, s'acquérir le soutien des populations. Ils sont extrêmement forts là-dessus et ils sont assez euh, vicieux et pervers, peut-être même plus que la CIA d'ailleurs là-dessus. Et, et c'est pour ça que... Euh, je pense que la, la grande force des opérations psychologiques ukrainiennes et même des opérations spéciales, puisqu'on a vu dernièrement qu'il y avait un officier encore de, ma de marine russe qui avait été euh, assassiné euh, en Russie, euh, c'est typique des opérations justement euh, euh, qui sont euh, faites sous l'égide du MI6 ou inspirées par ces techniques-là. Alors, euh, avant cette petite digression euh, rwandaise, euh, nous en étions. Euh, nous, en, aux... nous en étions donc aux, aux, aux obus. Alors, euh, donc, on est bien d'accord, on va être sur des obus euh, 255 mm pour combler le déficit des obus de 155 mm euh, de l'artillerie ukrainienne, que ce soit les Zowitzer 777 ou alors les, les canons César ou d'autres pièces comme les, les, les pièces euh, euh, allemandes. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, comme tu l'as dit très bien, c'est que il y a un rappe feu cest c'est-à-dire un, un, un rapport de la puissance d'artillerie qui est très en faveur des Russes, on va dire 10 pour 1, 8 pour 1, suivant les parties du front. Donc on peut considérer que euh, la Russie, qui n'est pas signataire de, de, de la Convention d'Oslo, a énormément de munitions d'artillerie avec des sous-munitions. Donc, ça peut être une forme de, de pis-aller qui pourrait se retourner également contre les Ukrainiens, dans la mesure où, où les Russes pourraient, sans vergogne, utiliser ces munitions-là, justement, pour traiter les, les, les offensives ukrainiennes. Donc, avoir les résultats de, de cette décision qui a été surtout motivée par des nécessités en fait opérationnelles et une pénurie de munitions. Alors, maintenant, on va. On va aborder le, le sujet du Scalp, puisqu'on a vu que notre président a annoncé la livraison de, de Scalp. Donc, le Scalp, c'est le même si, missile que le Storm Shadow. C'est un, un missile, alors dans, dans sa version aéroportée, puisqu'il y a différentes versions. Dans sa version aéroportée, donc c'est un missile qui est lancé par, par un vecteur aérien. Donc, ce sont les Sukhoi 24 Fencer ukrainiens qui lancent ce, ce missile, avec une portée entre 250 voire 500 km. Ça dépend bien sûr de l'altitude à laquelle le, le, le missile va être, va être largué. Euh, le prix, en, c'est environ 1 million d'euros, 850 000 euros. On va dire qu'on est sur le, le million d'euros. La charge opérationnelle, c'est 450-500 kilos. Donc, c'est quand même une charge opérationnelle conséquente. Et c'est un, un, un missile qui sert vraiment à. À frapper des cibles à haute valeur ajoutée. Quand je parle de cibles à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce sont des cibles d'importance, hein, ou des centres logistiques, ou des postes de commandement. Bon, ça a été le cas de, du poste de commandement de la 58e Armée à Aberdians, qui a été touché euh, la semaine passée, avec un, un lieutenant général qui a été tué. Donc, on est sur ce type de, de, de cibles. C'est ça le but de, de, de ce type de missiles hein. des cibles protégées et à haute valeur ajoutée. Alors, ce que l'on peut remarquer, euh, c'est que bien sûr, ce n'est pas une arme miracle. Il n'y a pas d'arme miracle hein, que du fait de son vol à basse altitude et à, à faible vitesse. Euh, si, elle, si le missile s'attaque à des cibles qui sont très protégées avec notamment de l'artillerie solaire euh, très courte portée, que ce soit des canons ou des missiles, eh bien il y a des, des opportunités bien sûr pour que le missile soit descendu, ce qui a été quand même le cas dans bien des cas également euh, pour les, les missiles Storm Shadow. Ensuite, il y a beaucoup, je dis beaucoup, il y a des missiles Storm Shadow qui sont tombés sur des, des zones civiles, notamment à Donetsk. Donc, on, on peut se poser la question, hein, comme pour euh, lorsque les, les, les missiles russes tou touchent des, des zones civiles, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser ce type de munitions qui sont rares et chères sur des, ce type de, 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 de cibles hein, qui n'ont pas d'intérêt militaire et c'est dramatique en termes d'image, de toute manière, même si, évidemment, lorsque ces missiles Storm Shadow touchent des cibles civiles à Donetsk, la presse occidentale n'en fera pas mention, mais en tous les cas, c'est quand même une réalité. Donc je pense que quand c'est le cas, ce sont des missiles qui ont été tout simplement brouillés ou déviés par la, la défense antiaérienne russe, comme c'est le cas souvent également pour les missiles russes qui tombent de l'autre côté, il n'y a, a pas d'intérêt militaire en fait, c'est même contre-productif euh, sur le plan stratégique, comme l'ont montré tous les bombardements stratégiques qui touchaient la population. Donc, euh, lorsqu'on a des, 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 des munitions euh, qui coûtent cher et à haute valeur ajoutée, euh, le but, c'est qu'elles touchent leur cible, en fait. Hein. Après, il peut y avoir évidemment différents aléas qui vont à, les amener à taper à côté. Et donc, euh, ce que l'on peut constater, c'est que s'il y a maintenant cette livraison de, de missiles euh, SCALP, l'équivalent du Storm Shadow, c'est exactement le même missile, c'est qu'on peut considérer que... Ben, la première dotation donnée par les, les, les Anglais, ben, elle est en voie d'épuisement, tout simplement, puisqu'on est sur des dotations qui sont faibles. Il hein, faut considérer que c'est une cinquantaine de missiles, pas au-delà, hein, puisqu'après, ça auberrait euh, sérieusement les capacités des armées de l'air euh, d'origine, hein, que ce soit la RAF ou alors euh, l'armée de l'air française. Et donc, nous, on est sur 50 scalps. Donc, c'est des, des, des missiles qui vont permettre de, de taper dans la profondeur, c'est-à-dire vraiment euh, les postes de commandement. Euh, de, de niveau corps d'armée, euh, les, les plots logistiques euh, opératifs. On n'est pas sur des missiles qui vont euh, résoudre le problème tactique de la deuxième, première, deuxième et troisième ligne de défense russe et de l'artillerie qui appuie cette euh, ligne de défense russe. Par contre, ce sont des missiles qui peuvent attaquer également les bases où se trouvent les hélicoptères russes, par exemple. Voilà, on est donc sur euh, une munition stratégique, très clairement. Alors, j'ai une petite question. Euh, est-ce qu'on peut évaluer, compte tenu de, de, de l'importance de la défense anti-aérienne russe, est-ce qu'on peut euh, imaginer une statistique, c'est-à-dire dire voilà, on envoie 10 de ces missiles il euh, y a une proportion de 20 10 50 qui sont susceptibles d'arriver, ou bien c'est véritablement complètement aléatoire ça dépend comment ils les utilisent. Hein. Soit ils font de l'overkill, c'est-à-dire de l'overkill, sur une cible, ils vont envoyer deux ou trois missiles en se disant que sur les deux ou trois, il y en a un qui va, qui va, qui va toucher. Bon, C'est une technique qui peut être utilisée, mais dans la mesure où ils n'ont pas tellement de, de ressources, en fait, ils n'ont ils ont pas énormément de missiles scalp, je ne pense pas qu'ils travaillent comme ça. Peut-être. Double parfois le coup, mais je pense pas qu'ils aillent au-delà du, du triplage du coup sur une même cible. Bon, on a vu la dernière fois sur le pont de, de Kerch, parce qu'il y a un missile Storm Shadow qui, qui a été abattu bon, sur des cibles qui sont extrêmement protégées. Et bon, maintenant les Russes se méfient, vu ce qui s'est passé avec le camion piégé. Euh, S'ils veulent vraiment avoir un missile qui touche le pont de Kerch, je pense qu'il va falloir avoir une, une salve de missiles assez conséquente, quand même, de manière à saturer la, la, déf la défense russe ou que ce soit par des scalpes ou par d'autres moyens. Mais euh, la vitesse de déplacement du scalp, qui est à peu près de 800 km/h, euh, fait qu'on ne pourra pas utiliser pour euh, leurrer la, la défense solaire russe d'autres moyens comme des drones qui ont des vitesses de déplacement qui sont nettement inférieures. Donc s'ils veulent saturer la défense russe sur le pont de Kerch, eh bien, il faudra qu'ils qu utilisent une salve de, de, de scalp assez conséquente, de l'ordre de la dizaine à mon avis. Alors... Autre question, est-ce qu'on pourrait penser, parce que bon, je constate qu'on a eu la déclaration martiale de notre président, qui sans consulter oui. absolument personne dit voilà, je m'engage un peu plus, j'ai décidé, le Parlement ne connaît pas, le gouvernement ne connaît pas, donc j'ai décidé de livrer 50 missiles pour frapper la Russie dans la profondeur. Ce sont ces termes. Est-ce qu'on euh, peut considérer que. Euh, C'est euh, ça a une dimension symbolique euh, ou bien ça, ça peut être un game changer, c'est-à-dire que ça peut effectivement, euh, d'après ce que j'ai compris euh, de ce que tu nous as dit, ce serait sans influence sur la ligne sur Viking par exemple. Ouais. Hein, en revanche, ça permettrait euh, à la fois les bases euh, des aéronefs soit les lieux de commandement ça permettrait de, euh, de, de, de s'en servir de cette façon là. Ça, ça peut désorganiser en fait hein, tout, tout en fait si on, on, on prend le, 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 les forces russes comme un système, ça, va, ça peut désorganiser aussi bien la partie tête, c'est-à-dire les postes de commandement, que les parties ressources, c'est-à-dire les, les, les dépôts de munitions, les dépôts logistiques, euh, certains, certains ponts ben, qui peuvent être utiles pour l'approvisionnement, comme le pont qui faisait la liaison entre la péninsule de Crimée et, et le front et qui a été bombardé par un missile Storm Shadow la semaine dernière. On est sur, sur ce type d'action, en fait, euh, sur des actions de désorganisation dans la profondeur. Mais. mais euh, c'est des volumes qui sont faibles, en fait. Euh, on en revient, je vais encore citer le général Kempf, parce que <laughs> j'écoutais tout à l'heure son intervention sur Sud Radio avec euh, l'ineffable li, Bruno Tertré, qui a été encore extraordinaire. Mais lui, par contre, il a dit le problème des, des, des Ukrainiens en ce moment. C'est qu'ils ont de la précision, mais pas assez. Alors, il parlait de l'artillerie, en fait, de l'artillerie de niveau tactique. Mais on, on se retrouve également avec les frappes dans la profondeur, dans le même cas de figure, en fait, hein, puisqu'ils ont de la précision, mais ils n'ont pas de volume, en fait. Hein, et on voit très bien que ce type de, de frappe dans la profondeur, qui, pour désorganiser un système, bien sûr, ça demande de la précision, mais ça demande également du volume. C'est ce qui s'est passé chaque fois que, que les Américains ont déclenché des guerres. Ça commence toujours par des salles de missiles SCALP, ainsi de suite, mais en nombre conséquent. On n'est pas sur 50 missiles, sachant qu'en plus, on est face à une défense antiaérienne qui est capable de les intercepter quand même. Juste ou sur leur chemin, hein, c'est-à-dire sur leur trajet ou à proximité de la cible. Puisque, comme je le dis, les, les belligérants d'un côté ou de l'autre ne sont pas idiots, et ils connaissent très bien les cibles à haute valeur ajoutée qui pourraient être tapées par ce type de munitions. Donc, ils se mettent en situation pour les défendre. C'est ce que font les Russes. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il euh, y a le, des game changers, en fait. Euh, il y a, il y a des, 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 des solutions techniques à la guerre, bien sûr, qui peuvent amener des, des, des difficultés à un adversaire ou à l'autre, mais, oui. mais c'est avant tout les, les, la donne stratégique qui fait qu'un adversaire gagne ou perd, infide. et on le voit très bien dans tous les conflits qui, qui ont lieu. Les, je parle des conflits qui ont commencé à être modernes au sens propre du terme, que ce soit la guerre de 1870 ou la, la guerre de sécession, qui est vraiment un des premiers grands conflits modernes. Les, 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 euh, les Nordistes, ils ont gagné parce que stratégiquement, ils avaient des atouts stratégiques. Ils avaient de la profondeur, ils avaient l'industrie, ils avaient la masse humaine. Euh, et euh, sur le plan tactique, les, les Sudistes leur ont été toujours supérieurs. Mais, Mais ils n'avaient pas les Nordistes. Les Sudistes ont toujours été supérieurs au plan tactique. Ah oui, 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 au plan tactique, d'accord. Oui, mais oui, mais stratégiquement... Les nordistes ont été supérieurs au plan stratégique et au plan opératif. C'est que même s'ils se prenaient des déculottés dans de nombreuses batailles, comme ils avaient euh, une vision stratégique et opérative de, du front, en fait, hein, ils faisaient de grandes manœuvres que les autres étaient incapables de tenir parce qu'ils avaient justement pas de ressources suffisantes et pas de profondeur stratégique. Et puis, bon, ils avaient des difficultés politiques également internes, hein, même si les autres les ont eues. C'est vraiment c est, c est cette donne-là qui fait la différence entre des belligérants. Mais c'était ça le, le sens de ma question, euh, Hervé. C'est pour revenir toujours ce travail de réinformation, c'est que euh, euh, dès qu'il y a une initiative qui est prise, ah il faut des F16, ah il y aura les Challenger, ah il y aura les léopards. Hein, et à chaque fois, tous nos imbéciles de plateau, euh, nos, nos intervenants à niveau moral assez faible, euh, là, je parle de moralité, à hein, moralité, ouais. pas moral assez ouais. faible, à moralité assez faible, euh, vont dire c'est formidable, ça y est, ça va tout changer. Enfin, il suffit d'aller se balader sur, euh, sur les chaînes d'info ou sur Twitter pour, pour, pour les trouver. Donc, donc voilà, c'est que, euh, effectivement, ces scalps euh, ne vont rien changer. Changé, puisque au plan stratégique, les, les... c'était l'analyse d'ailleurs, l'analyse de De Gaulle et de mon arrière-grand-père en 1940, c'est une guerre mondiale et le monde anglo-saxon va la gagner, pour, pour des raisons objectives, objectives oui. même si ce, ce, ça ne sera pas facile. Mais euh, le, le, le problème, il est, est celui-là. Moi, ma conviction, c'est que le déséquilibre euh, entre l'Ukraine et la Russie. Le déséquilibre, pourtant compensé par le fait que l'OTAN est derrière, quand, comme dit euh, Xi Jinping, écoutez, les Russes, ils affrontent 40 pays, hein, et pourtant, ils s'en se, sortent. Non, ce que je, ce que je veux souligner, c'est. Ce, ce discours, quoi. Je vais reprendre un exemple d'un de mes grands amis, c'est Xavier Tittelmann qui a dit c'est horrible les, 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 euh, les obus à sous munitions, mais il faut rééquilibrer. Donc euh, il a fait un tweet assez abject moralement, hein, mmh. de moralité assez abjecte, en disant voilà je, je, je suis contraint d'approuver parce qu'il faut rééquilibrer, etc. Alors que ouais. ça va avoir de, de faibles effets tactiques, comme tu viens de nous l'expliquer, hein, et ça n'aura pas d'effet stratégique. Ça n'aura pas d'effet stratégique, le, 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 la guerre va continuer sur les, les bases qu'elle connaît aujourd'hui. En fait, ce qui trompe les gens, c'est que sur le plan médiatique, on parle chaque fois en fait des frappes réussies avec un storm shadow ukrainien lorsqu'il touche un pont, ainsi de suite. Mais on ne parle pas de toutes les frappes qui font, que les Russes font dans la profondeur. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour, pour laquelle euh, les, les, les Ukrainiens en ce moment sont à court de munitions. Parce que non seulement, bien sûr, les Occidentaux ont peu de munitions, mais le nombre de dépôts de munitions et de matériel ont été bombardés par les Russes en fait. Et c'est ce qui a accru ce déficit en munitions. Alors je parle des dépôts, bien sûr, de, de troisième échelon et les dépôts stratégiques, mais également les dépôts qui étaient proches du front. Donc ça, c'est ce que font les Russes systématiquement avec toutes les munitions qu'ils ont, hein, que ce soit des munitions de, équivalentes à, à des missiles de croisière ou des munitions qui sont plus rustiques, en fait, tout simplement. Donc euh, c'est pour ça qu'avoir de la précision, c'est important, mais il faut avoir du volume dans la précision et dans ce qui est un peu... Euh, des choses plus courantes, hein, des, 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 des outils de frappe plus courants que ce soit dans le domaine de l'artillerie ou de l'appui air sol, il faut également avoir du volume en fait. Et comme disait Staline, c'est Staline qui disait ça ou je crois que c'est lui, le, le volume ou c'est Léon, je ne m'en rappelle plus. Le volume est une qualité en soi en fait. Mais je me demande si c'est pas euh, si pas comment il s'appelle, euh, euh, non pas Marx mais euh, ni Engels le L'inventeur de la dialectique, euh, mais de la ah, dialectique. Oui, tout à fait. C'est eux qui avaient dit ça. Le volume est une qualité en soi. Voilà. Et, et oui, et, et, et de toute manière, de, de toute manière. C'est euh, pour ça que euh, cette espèce de fantasme de la guerre high-tech qui vient des États-Unis, bon, déjà, ça amène d'autres problèmes parce que tout ce qui est high-tech est forcément fra fragile et peu rustique et demande beaucoup d'entretien et, et beaucoup de coûts d'exploitation, en fait. Et en fait, c'est produit en petit nombre. Donc, il y, a, il y a un vrai problème. Donc, on est obligé d'avoir une réponse sur le plan des moyens militaires qui est duale. Il faut bien sûr de la précision, mais avec une quantité suffisante pour que cette précision ait des effets significatifs. Mais il faut également des moyens rustiques, mais en quantité suffisante de manière à saturer l'adversaire. Et c'est aussi bien valable pour les munitions euh, d'artillerie que pour les moyens terrestres. Hein, que ce soit les véhicules de combat ou euh, les chars ainsi de suite, que également pour les munitions d'aviation, hein, puisque on peut pas tirer sans arrêt des munitions qui sont hors de prix en fait. Donc il y a des moments, où eh bien il faut utiliser des munitions qui sont entre guillemets rustiques comme des roquettes ainsi de suite. Enfin, C'est un, un vrai sujet en fait cette 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 dualité en fait euh, à, à trouver le, 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 le bon équilibre entre entre justement euh, euh, la qualité et la quantité. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes diapos, je crois que je ne les ai pas mis dans l'ordre. Ah oui, voilà. Ce n'est pas grave. Non, non, mais je, je voulais terminer par… Je voulais terminer... Par, euh, par collant par ouais. oui. Oui, oui, exact, exact, exact. Oui. Alors, comme, comme il ne se passe pas grand-chose actuellement euh, euh, sur le front, peut-être que je regarderai la carte, mais la carte n'est pas très parlante dans la mesure où les, les, les unités n'ont pas beaucoup bougé. Je parle des unités de la carte. Hein, et puis je pense que maintenant, euh, tout le monde a une vision à peu près entre le front sud, le, le, le front centre et puis euh, le front nord. Globa, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, on, on note une poussée au nord dans la zone de Krasny-Liman des, des Russes à une poussée qui est conséquente, avec 2 km de profondeur et à environ sur 65 km de largeur de front. Donc, on peut considérer qu'ils ont enfoncé les lignes ukrainiennes, que les Ukrainiens n'ont pas pu contre-attaquer par rapport à cette poussée. Donc, à voir si on va assister bientôt à une troisième bataille de Liman, sachant qu'il y a eu la première bataille de Liman. En mai 2022, ensuite la deuxième bataille de Liman en octobre 2022, lorsqu'il y a eu l'offensive de Kharkiv, et avant le retrait des, des, euh, des Russes derrière la, la rivière Oskil. Et puis, et puis euh, maintenant, est-ce que les Russes vont aller vers cette troisième bataille de Liman hein De toute façon, leur objectif de reconquête du Donbass, à mon avis, est toujours pérenne, euh, surtout que j'ai noté la déclaration de Lavrov euh, dernièrement, qui a dit que de toute manière, il n'avait pas l'intention de négocier hein, et qu'il ah. laissait faire les opérations globalement et, et qu'il prendrait l'avantage euh, qu'il pourrait prendre sur le terrain. Alors, je, je profite de l'occasion pour rappeler le 80e anniversaire, aujourd'hui 12 juillet, mon cher Hervé, de la bataille de Prokhorovka, c'est-à-dire ce qu'on appelle la plus grande bataille de chars de l'histoire, où il y a eu un affrontement géant. Alors, qui a donné lieu à, j'ai l'impression, la création de plusieurs mythes hein, euh, et, et euh, qui a été présenté par les Soviétiques comme une grande victoire, ce qui ne semblait pas être le cas. Je crois que c'était une erreur tactique de Romitsrov, qu'il s'appelait comme ça, qui commandait donc euh, une, une division blindée. Donc, euh, c'est la fameuse euh, opération de Kursk. Euh, pour, pour, pour ceux qui ne sont pas passionnés comme on peut l'être de l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier du front germano-soviétique, euh, c'est une bataille défensive dans un premier temps, soigneusement préparée par les soviétiques qui euh, étaient persuadés, euh, à juste titre d'ailleurs, hein, que les, les, les Allemands allaient attaquer le fameux saillant de Kursk et, et qui ont résisté pour ensuite déclencher une contre-offensive et beaucoup d'historiens disent que euh, la bataille symbolique c'était Stalingrad mais la bataille décisive qui a enclenché le, le, la mécanique qui a, a amené les armées russes à Berlin les armées soviétiques pardon euh, c'était avait commencé à, à Kursk alors ce qui était intéressant c'est que euh, à partir de, de Kursk euh, les, les, les Allemands et quand on le revoit, euh, ce qu'on qu raconte les historiens, c'est que les Allemands savaient qu'ils avaient perdu. Ils savaient qu'ils avaient perdu, donc ils ont mené une guerre très dure, très dure avec des sacrifices, puisque euh, ils ont perdu la dernière année l'équivalent de ce qu'ils avaient perdu dans les trois, quatre premières années de guerre. Ce qui est, je parle des hommes, hein, et donc, bien, bien euh, et, et, et donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu cherche? quand on mène une guerre euh, défensive qu'on s'est perdue. Et non moi, moi, ça me renvoie un petit peu là euh, euh, à l'analyse que je fais sur le fait que je, pour, je crois que la messe est dite. Alors, il y a l'aspect militaire, mais il y a l'aspect aussi géostratégique, l'aspect économique, l'aspect mondial. Euh, et c'est la raison pour laquelle, et je vais revenir à mon cher Emmanuel Macron, euh, bon, euh, il est peut-être prisonnier d'un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, le rôle de la France serait de, de, de prendre acte d'une situation et de pousser à la négociation de pousser au règlement de, 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 de cette affaire. Parce que on a, plus ça va, plus on a à y perdre. Hein. Mais en fait, le problème, c'est les objectifs de guerre. en fait Quels sont les objectifs de guerre maintenant bon Les Russes, on arrive à peu près à voir à minima ce qu'ils veulent. Hein, c'est à minima euh, rester sur les positions euh, actuelles, ce dont je doute. Hein, euh, sur un plan moyen, reconquérir le Donbass et à maxima éventuellement aller jusqu'à Odessa, ce qui pourrait être euh, quand même assez compliqué. Sauf si évidemment il y avait un, un effondrement total de, de l'armée euh, ukrainienne en l'état, effondrement complet total, je ne pense pas. Et puis je pense que les Américains rentreraient en négociation avant avec les Russes avant qu'ils arrivent à Odessa. Mais, mais euh, là, on voit par exemple là le, le front dont je parlais euh, tout à l'heure, les poussées russes de cette semaine. Ça date du 11 juillet. On voit que là actuellement, ils sont en train de, de mettre un pied sur la rivière Severdunesc, Severskiy Donetsk. Et là, on, l'Iman est à peu près à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. Hein et là, on voit qu'ils avancent également. Donc, dès qu'ils auront pris, euh, qu'ils ont une tête de pont solide de l'autre côté, eh bien, euh, on pourra se poser la question ensuite du, 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 des dernières poches ukrainiennes qui vont devoir se replier. Et ils auront atteint, en fait, tout simplement euh, cette nouvelle ligne, en fait. Hein Donc... Après, la, la situation pour eux, ce sera de, de consolider leur tête de pont et éventuellement après se lancer sur l'offensive et exploiter. Et c'est là où on verra s'il y a un engagement de force qui serait resté en réserve. Ouais. Cette fameuse réserve dont je te parlais. Parce que euh, je pense que leur ligne de défense au sud est suffisamment le, solide pour que, même s'ils ont une réserve stratégique euh, derrière et opérative, de manière à éventuellement euh, faire face à une percée euh, ukrainienne. Je pense que, à, vu ce qui se passe actuellement sur le front euh, côté russe, en termes d'opérations offensives, je pense qu'ils ont vraiment euh, comme intention de, de conquérir le Donbass, de terminer la conquête, la conquête du Donbass. Au Mais nord, et après, on verra au sud. Quand tu parles des buts de guerre russe, alors des buts de la guerre en Ukraine, du théâtre ukrainien, ouais. ça c'est une chose. Hein, effectivement il y a des dimensions stratégiques que tu viens d'évoquer, mais sur les buts de, 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 du conflit qui a commencé il y a déjà un bon moment mais qui s'est déclenché de façon chaude euh, au mois de février 2022 ils ont déjà euh, acquis un certain nombre, atteint un certain nombre d'objectifs, ils sont sur le plan économique dans une situation qui n'est pas désagréable Jacques Sapir le démontre euh, quotidiennement si nécessaire ils ont fait leur pivot vers l'Asie ils ont une, une forme d'alliance avec les Chinois qui les renforce, qu'on le veuille ou non. Ils ont déclenché au niveau du, du monde avec une évolution, avec une désoccidentalisation euh, qui les arrange. Ils ont déjà euh, euh, atteint un certain nombre de, de leurs objectifs. Ce n'était pas gagné au mois de février 2022. Ils s'étaient préparés. Ils avaient fait de la planification stratégique. J'ai l'impression qu'en Occident, on avait un peu oublié ce que c'était. Mais euh, euh, aujourd'hui, justement, c'est par rapport à ça par rapport à cette situation et euh, sur le fait qu'ils aient atteint un certain nombre de leurs objectifs de guerre, que je m'interroge sur les objectifs occidentaux. Parce que quand, tout à fait. On, quand on fait de l'incantation en disant ⁇ Il faut que la victoire soit la plus victorieuse possible ⁇ comme Macron lorsqu'on dit ⁇ Il faut chasser les Russes de là, ils vont s'effondrer, on va découper la Russie, on va récupérer la Crimée ⁇ cela n'est pas sérieux. Cela n'est pas sérieux. Donc, euh, je veux dire, euh, et c'est comme... Tout, tout, tout le débat, on va peut-être en parler un petit peu, qui a lieu autour de l'admission de l'Ukraine à, à, dans l'OTAN, la Russie a dit non. Or, c'est une puissance nucléaire et c'est la première puissance nucléaire du monde. Et comme l'avait dit Medvedev, un pays qui est une puissance nucléaire de notre niveau ne peut pas perdre. C est, c est, oui, c'est comme ça, où tout le monde perd. Où tout le monde perd. Hein. Comme disait le, dans le film, euh, c'est un jeu bizarre parce que pour gagner, il ne faut pas jouer. Hein, le, le, ouais. le, donc, c'est donc, ça que j'ai du mal à, à imaginer, à concevoir c'est quels sont les buts de, euh, les buts de guerre de l'Occident, alors si tant est que l'Occident soit autre chose que la direction américaine. Hein, ça, c'est euh, une ouais. vraie question. Alors, si les buts de l'Occident sont ceux de l'Ukraine, qui sont pour l'instant inchangés, de retourner aux frontières de 2014, en incluant les, les ex-républiques autopro autoproclamées, en l'État, à moins qu'il y ait une révolution en Russie, que les forces russes se, se débandent comme elles se sont débandées en 1917, il n'y a aucun signe en ce sens en ce moment, euh, ça paraît inconcevable, à moins que l'OTAN rentre en guerre euh, contre la Russie. Donc, ça, c'est un cas de figure qui est totalement improbable. Donc, on voit très bien que les objectifs de guerre en hein, l'état de l'Ukraine euh, sont irrationnels. C'est de la science-fiction. Hein. Qu'actuellement il n'y a pas de but de guerre affirmé de l'OTAN. C'est quoi les buts de guerre de l'OTAN C'est défendre l'Ukraine. Ben, je pense que ça va être d'éviter qu'il euh, y ait une poussée trop forte euh, russe hein, dans, dans le futur. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'ils leur livrent ce type de munitions également, même si c'est pas nécessité, qui sont assez efficace contre des, 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 des armées en déplacement et, et sur des axes et non protégés et, et sur des objectifs de surface. Et, et c'est ça. Par contre, les objectifs stratégiques américains qui sont suffisamment documentés, que ça soit par les travaux de la Rand Corporation, euh, expanded in Russia, euh, 2019. Et puis euh, également, euh, ce, ce livre de, de Brzezinski, euh, L'Amérique et le Reste du Monde, hein, euh, qui est euh, le grand échiquier, qui, qui mérite vraiment d'être lu pour comprendre que cette vision géopolitique des États-Unis, ben, en l'état, les États-Unis, ils ont atteint quand même une partie des objectifs qui s'étaient fixés. Le découplage entre la Russie et l'Allemagne, qui était central dans le livre de Brzezinski, est quasiment acté de manière. Je ne dirais pas définitif, parce qu'on ne peut pas euh, hypothéquer euh, euh, des développements historiques futurs, mais euh, sur, sur le moyen terme, sur 10 ans, je pense que ça sera difficile. Et en tous les cas, l'asservissement énergétique de l'Europe vis-à-vis euh, -vis du gaz de, euh, liquéfié américain, naturel liquéfié américain, va devenir un fait. Hein et euh, notamment avec des tarifs euh, qui vont être prohibitifs. Et Patrick Pouyanné, euh, le patron de, de Total, a commencé à alerter tout le monde, d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Et là, on est vraiment sur un niveau stratégique. et On en revient à ce que je disais la, la semaine dernière, c'est qu'en euh, bon lecteur de Svetchine, et c'est pour cela, comme tu l'as dit, que la Russie fait la guerre à l'économie, à l'économie dans tous les sens du terme, euh, eh bien, le, le, premier, le, le premier front, c'est celui de l'économie, en fait, et c'est celui qui permet au reste de tenir. Et c'est comme ça que l'Allemagne, d'ailleurs, s'est effondrée en 1917-1918, puisqu'ils étaient complètement asphyxiés par le blocus euh, qui était fait par la, les, les marines, notamment la marine, la marine anglaise. Ils étaient à court de ressources, tout simplement. Bon, eh bien, nous verrons euh, le, ce que... Ce que... Effectivement, ce qui va se passer en, en, en Ukraine par rapport au, au, à ton analyse selon laquelle les États-Unis auraient déjà atteint eux aussi certains de leurs buts, je suis... Plus réservé là-dessus, plus réservé là-dessus, parce que j'ai lu les dernières productions de la Rande, ils sont assez inquiets quand même, ils sont assez inquiets, puis surtout euh, ils disent attendez, le, le, le problème c'est quand même de l'autre côté, le problème c'est la Chine, hein, et donc on est en train de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de perdre de l'argent euh, sur, euh, sur l'Ukraine et, et, et dans notre acharnement contre, contre la Russie. Bon, le fait que, que les États-Unis soient, soient aussi euh, éventuellement divisés, qu'il y ait des, des approches différentes, ils sont en plus rentrés en campagne électorale, euh, c'est une, une donnée, c'est une réalité. Mais le découplage euh, de, de Russie-Allemagne, avec les conséquences de la crise allemande, de la désindustrialisation qui, qui arrive, de la situation extrêmement difficile dans laquelle l'Europe va se trouver plongée, et ce que tu disais concernant l'énergie, je ne sais pas si euh, ce sont les intérêts des Américains. Hein Alors ils vont récupérer ils vont récupérer hein, des investissements, hein, la désindustrialisation va se poursuivre, mais ils vont avoir un, un ensemble de, 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 de 300 millions de citoyens qui va devenir profondément instable. À voir. Enfin, moi, je le, ressens, je le ressens de cette façon-là. En tout cas, là, sur le plan énergétique, en Europe, la, la, la fin de l'année et le début d'année 2024 va être extrêmement tendue. Hein. Et bon, nous, on ne sera pas trop touchés, puisqu'on a un niveau de, 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 part, du, de, de part de PIB euh, euh, relatif à l'industrie qui est le même que celui de la Grèce. Donc, je pense qu'on sera peu touché nous, malheureusement. Oui. 17%, ouais, ouais. Hein, 17%, comme la Grèce. Hein. C'est incroyable. Bon. Non, et puis d'ailleurs, on, on en a le, le reflet politique, quoi c'est-à-dire a euh, la décision de Macron de livrer des scalpes, je veux dire, le monde politique reste muet. Il reste muet à la marge. Hein mmh. Moi, je vais dire des bêtises sur Twitter. Il y a quelques, quelques anciens élus qui disent, mais, mais, mais si on regarde l'arc qui est à l'Assemblée nationale les différentes euh, tendances politiques, personne ne dit rien. C'est insomprobable. Ah si on compare notre parlement à celui du par, euh, au parlement allemand qui est une vraie euh, démocratie oui. parlementaire, on ne peut être que étonné. Alors et je, on peut même s'intéresser à la Belgique où il y a également de vrais débats, mais surtout en Allemagne. En Allemagne, les débats sont tendus et il y aura des conséquences électorales, je pense lors des de prochaines élections des landeurs. Et moi, je me rappelle en, en 2003, au moment de, 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 de la guerre d'agression euh, illégale des États-Unis contre l'Irak, il euh, y a eu des manifestations dans toute l'Europe. Il y en a eu en France aussi. Il y a bah, naturellement la position de Jacques Chirac. Je me rappelle en Espagne, j'avais fait un voyage à, à Barcelone. Toutes les fenêtres, il y avait des drapeaux blancs, etc. Et là, rien. Rien. On a, euh, on a une escalade dangereuse il euh, y a des risques forts, il y a une catastrophe économique qui se profile enfin, je veux dire il faut être réaliste hein, oui, euh, il, faut, il faut il faut écouter Bruno Le Maire hein, la, la boussole qui, qui montre le sud euh, Non non bon c'est comme ça c'est comme ça nous verrons. Donc alors dis-moi sur le plan de, du front est-ce que tu avais d'autres oui, indications? J'ai en fait euh, au nord de, de Donetsk il y a une, une ville qui s'appelle Advika. C'est également une forteresse de la ligne de défense ukrainienne, puisque toutes les localités, grosses localités comme c'était le cas de Bakhmut, sont devenues des, 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 des points d'appui hein, de la ligne de défense ukrainienne. C'est depuis cette zone qu'ils bombardaient Donetsk, hein, notamment avec l'artillerie et parfois même à des César. Et actuellement, les, les Russes seraient en train d'encercler de, cette, cette position ukrainienne. Hein, donc on le voit sur les flèches, là, ils sont en train de, de boucler la ligne d'approvisionnement. Donc à confirmer, bien sûr, mais euh, ça veut dire qu'on serait face, comme dirait Xavier Moreau, il aime bien ça, lui les, les chaudrons d'ailleurs, les chaudrons, <laughs> c'est l'homme des chaudrons, lui. Oui, 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 enfin. c'est chaudron Donc voilà, on serait face à une situation qui pourrait être comparable à, à celle de Bakhmut, à la différence que qu'à Bakhmut, les, les Russes avaient toujours laissé à minima une ligne d'approvisionnement. Euh, Peut-être de manière cynique pour continuer l'approvisionnement tout simplement en troupes, puisqu'ils cherchaient à menuiser les, les, les forces ukrainiennes. Alors voilà globalement euh, le secteur nord euh, de Kremlin. Comme je l'ai dit, ça, ça, ça avance. Hein, hein, et on, on verra si il, on va vers une troisième bataille de l'Iman. Je passe rapidement. Là, on avait également euh, un petit saillant, le saillant de Kreminski, voilà, c'est ça, sur lequel les… les... Donc ça, c'est au sud de Donetsk et au nord de la trouée de Zaporizhzhia, euh, où évidemment, les, les Ukrainiens continuent à, à chercher à pousser, mais sans grand succès. Et puis, sur la partie euh, du réservoir Energodar, bon, il y a toujours des, des tentatives de pousser euh, au sud, mais on sent qu'il y a un épuisement quand même des, des tentatives ukrainiennes euh, sur cette partie euh, sud du, du front, c'est-à-dire là. là hein. Et puis euh, sur le, le, le réservoir de Nergodar, étonnamment, plus personne n'en parle, plus personne n'en parle. Et puis euh, plus vers le sud, vers le pont d'Antonovski, et eh bien les, les, euh, donc sur le, le Niépre, la partie de Niépre en face de, de Kherson. Bien les, les Ukrainiens continuent à chercher à implanter des petits détachements. J'ai du mal à, à comprendre le sens de ce qu'ils font. Alors, actuellement, d'ailleurs, sur euh, la, la partie euh, du front euh, au sud, il euh, y a, y a un nou de nouveaux éléments de langage qui sortent pour expliquer le changement de phase de l'offensive ukrainienne, ça serait que les Ukrainiens seraient passés en phase d'attrition vis-à-vis <laughs> -vis des Russes. Enfin, ça me fait paraître, hein. je, je souris, parce que hein, si tu veux, le but, ça serait d'annihiler l'artillerie russe. Donc moi, euh, quand on me dit quelque chose, je cherche toujours à savoir de manière rationnelle si c'est possible. Et, et quand on sait qu'il y a un déficit de moyens d'artillerie, entre 1 pour 10 et 1 pour 8 en faveur des, des Russes, qui a un déficit de munitions qui est prouvé par la décision des Américains de livrer des armes à sous-munitions, qui a un déficit de renseignements, dans la mesure où on le sait, d'ailleurs les Ukrainiens s'en plaignent eux-mêmes, que les, les drones d'artillerie ne peuvent plus voter, voler euh, puisqu'ils sont euh, brouillés par les, par les, euh, par les euh, brouilleurs russes, par la guerre électronique russe. Que les Ukrainiens ont du mal à avoir de la reconnaissance aérienne. Alors, même s'ils ont de la reconnaissance satellite, mais on n'est pas sur ce niveau de détail, à la reconnaissance satellite, quand on veut toucher et faire du tir de contre-batterie, c'est où on a repéré euh, les, les, les batteries qui tirent par trajitro... tra... trajectométrie, c'est-à-dire qu'on a des, des radars de de trajectométrie qui permettent de, de suivre les, les tirs adverses et ensuite de repérer la pièce et de tirer tout de suite. mais on voit très bien que faire de, de la contre-batterie lorsqu'on a des problèmes de munitions et qu'on a des problèmes de pièces d'artillerie et qu'on cherche à avoir une attrition sur un adversaire qui a dix fois plus de pièces d'artillerie que vous, je pense que cette euh, campagne d'attrition de l'artillerie russe, c'est un nouveau élément de, de communication euh, pour simplement faire patienter euh, euh, faire patienter ou attendre un moment propice pour éventuellement euh, pouvoir percer euh, le front au sud parce qu'actuellement euh, euh, je pensais que les, les Ukrainiens euh, euh, auraient tenté quelque chose avant le, le, le sommet de, de, de Vilnius. Euh, en fait ça ne s'est pas avéré peut-être qu'ils avaient des intentions sur la centrale de, de Zaporizhia mais je pense que dans ce cas-là les Américains les le, le, ont peut-être prévenus de ne rien faire euh, en tous les cas euh, en l'état de, de fixation du front, euh, notamment au sud euh, s'ils veulent faire un coup on reste toujours sur euh, soit pousser tout moyen tout moyen euh, réuni sur une partie du front au sud de cette... Donc c'est en fait, on sait qu'on va avoir mal, mais on, on pousse au maximum, hein. un peu comme en rugby. Hein. Lorsqu'on ne cherche pas à, à, des, à, à passer par les ailes, ben on cherche à, à passer au centre en forçant. Hein. Euh, ensuite, pourquoi pas quand même à faire, chercher une tentative d'action sur la centrale de Zaporijja ou éventuellement sur Bakhmut Bon, je n'ai pas beaucoup parlé de Bakhmut, mais Bakhmut, euh, en l'état, eh bien les, les opérations continuent au nord et au sud, mais avec euh, très peu de succès. Hein. Donc les, les, les Russes tiennent toujours les, les hauteurs nord et comme toujours, avec leur capacité d'artillerie, ils, ils, ils reculent. De toute façon, le, la tactique russe, elle est simple. Ils résistent un petit peu, mollement, ils reculent. Les Ukrainiens avancent, l'artillerie russe ou les hélicoptères russes frappent, et eux, ils reprennent les positions. C'est ça depuis quasiment un mois, et c'est ce qui se passait euh, chaque fois que les Russes font des opérations, ça se passe comme ça. Et, et quand c'est à l'offensive, ils frappent, ils avancent, ça, ça résiste, ils reculent et ils refrappent, jusqu'à à, à la limite les défenseurs soient complètement assommés par, euh, par les appuis russes. Voilà, donc euh, j'en ai terminé pour le, le petit point mi militaire, et puis sur cette partie euh, de nouvelles opérations de communication, euh, disant que les Ukrainiens sont passés en phase d'attrition de l'artillerie russe. Donc ça, ça a été Alors, repris pour, on, par, par on, tous les experts. On, hein. on sourit, on sourit, euh, non pas à cause du, des bilans, hein, parce que ce qu'on voit, ce qu'on voit sur Telegram, c'est abominable. Hein, je, ouais. Ça faut être tout à fait clair, euh, y compris le témoignage de ce, de ce mercenaire irlandais euh, qui est venu dire Mais attendez, il avait il fait d'autres campagnes, hein, Irak, Afghanistan, qui est venu dire Mais attendez, c'est l'enfer. Et il est parti, lui. Il est ouais resté ouais. 18 mois. C'est quelqu'un dont le courage n'est absolument pas discutable. Hein. Mais il dit Mais c'est affreux quoi, ce, qui, ce qui se produit. Donc, euh, on a la plus grande compassion. En revanche, on a moins de compassion pour les experts de plateau qui continuent à les vat en guerre et puis qui sont capables de dire parfois absolument n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on essaye oui. de rétablir un petit peu de réel. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, ils ont manqué de prudence dès le départ, que ce soit par aveuglement ou par militantisme ou par opportunisme aussi, hein, puisque alors, à partir du moment où on est payé par une chaîne, eh bien, on est comme un journaliste, on est lié par un contrat avec la notion de ligne éditoriale de la chaîne. Absolument. Donc, euh, c'est évident qu'on ne peut pas tout dire. Hein, hein, donc, euh, bref, on est, on est contractuel, hein, on est employé de la chaîne. Hein, donc, on a une liberté de parole, mais quand même, qui est relativement encadrée. Hein, par rapport à la ligne éditoriale de la chaîne, notamment sur LCI. Et, et donc, c'est la petite musique qui ressort en ce moment, hein, mais qui, euh, moi, j'attends de voir. Hein, je, dis, je dis toujours pourquoi pas. Mais en l'état, les, les renseignements que l'on peut avoir, les informations que l'on peut avoir, euh, cette notion d'attrition de l'artillerie russe par l'artillerie ukrain, ukrainienne qui est en déficit de munitions, en déficit de pièces d'artillerie, euh, avec un peu de bon sens, on voit que ça ne tient pas. Donc, pourquoi pas de manière localisée localiser avec ce que je disais tout moyen euh, euh, rassemblé pour percer un endroit du front pourquoi pas mais sur l'ensemble du front ou même du front sud euh, ça me paraît difficile voilà donc c'est la petite musique que l'on entend actuellement bon on a entendu d'autres on a entendu les vagues d'assaut euh, ensuite on a eu les pelles les pelles euh, on a eu les, les russes non plus de munitions bon ça on attend ça depuis le mois de mars donc euh, euh, moi, j'ai fait une remarque euh, sur euh, un poste d'un bon camarade que je ne citerai pas. Il m'a dit euh, je, je, Moi, je, je veux bien. Euh, je lui ai dit euh, Je constate, mais euh, le constat fait qu'on pourrait croire le contraire. Il me dit Oui, mais bon, euh, c'est Oryx et tout. Mais Oryx, euh, Oryx c'est Bellingcat. Ce sont des informations orientées. De toute façon, vouloir faire de l'épicerie, de, de la mauvaise épicerie pour comprendre ce qui se passe, à mon avis, euh, c'est n'est pas la bonne approche. Hein. Il faut voir, avoir, des, je pense, une certaine hauteur de vue par rapport à des éléments et avoir des éléments de bon sens et, et observer comment ça se passe. C'est tout. Et non, puis, je cette vois, notion... juste oui une petite observation. Il y a un biais, euh, moi, que je, je constate. C'est une façon de se rassurer aussi. Parce que par rapport à ce qu'on imaginait auparavant, par rapport, euh, moi, j'ai été surpris de, 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 de l'intervention russe. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais comment t'as comment hein. pu, pu être surpris alors que tu fuis ça, que tu, as, tu, 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 tu avais en particulier tous les débats de la fin 2021, et comment tu t'as pu être surpris par cette, euh, par cette invasion euh, Alors, beaucoup de, de, de gens, ceux qui s'ouvrent devant eux est vertigineux, vertigineux, le monde qui change à toute allure, parce qu'ils sont, ils sont capables d'être réalistes aussi, donc on, est, on cherche à se rassurer, on cherche à se rassurer face à la catastrophe qui est en train de se profiler, euh, je pense que ça joue aussi beaucoup. D'autant plus que cette intervention russe que, dont j'étais surpris, en fait je l'ai suivie opérationnellement de manière très précise pendant le premier mois, parce qu'il se trouve que j'ai aidé un pays d'Amérique du Sud à évacuer ses étudiants euh, en montant nos cellules de crise, en montant différents groupes WhatsApp, qui étaient coincés en fait, notamment à Soumy, à Kharkov, ainsi de suite, à Kiev, et les évacuer du territoire. Donc, je suivais tous les jours en fait les progressions des, des, des forces en regardant les, les comptes rendus des états-majors ukrainiens et des états-majors russes. Et j'étais surpris que les premières euh, négociations qui avaient été entamées se terminent très rapidement, notamment avec l'assassinat ou la disparition violente, on va dire, d'un des, des, des Négociateur. euh, négociateurs ukrainiens. Et à partir de là, bon, ensuite on a réussi à les évacuer, bien sûr. Et, et, et j'ai commencé à suivre également ce qui se disait dans la presse, et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne colle pas, en fait. Il y a un problème derrière. Et ensuite, en remontant la pelote, j'en suis arrivé à ce sujet qui m'a toujours intéressé, c'est la guerre de l'information, puisque tu sais que je travaille dans la gestion et la communication de crise, et la guerre de l'information, c'est fondamental, en fait. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon aparté de la dernière fois sur le livre de Michel Collomb. Vraiment, je, je ne touche absolument rien dans ce que je vais dire, ni toi. Je vous conseille d'acheter ce bouquin. C'est c'est un puits d'informations et, et, et d'informations sourcées, recoupées, avec de vraies réflexions derrière euh, sur ce qui se passe en ukraine en termes de guerre d'information, mais également avant que la guerre se déclenche et toutes les, 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 les forces qui ont poussé également euh, à, à, à ce conflit, hein, que ce soit les Russes euh, en action ou en réaction, suivant la manière dont on voit le, le sujet, ou, mais également, surtout, la géopolitique et la stratégie américaine. Et, et c'est pour ça que j'en reviens. À, à, je vais faire quelques extraits de ce bouquin, à moins que ça t'embête. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà, j'ai pris quelques extraits choisis de ce bouquin qui est vraiment très, très pertinent. Parce que la désinformation du, du spectateur, c'est fabriquer des fausses images, détourner de vraies images par un commentaire trompeur et cacher au public les images qui contredisent le récit officiel. Et on est souvent face à cela, en fait. Le troisième, c'est que toutes les informations qui laisseraient entendre que les Ukrainiens, qui sont les agressés depuis, euh, depuis février 2022, se comporteraient toujours de manière éthique, mais non, ce n'est pas le cas et ce n'était même pas le cas avant 2022, en fait. Hein donc on est sur des belligérants qui ont des comportements qui sont pas éthiques tout simplement alors plus ou moins il y en a un qui est attaqué ou pas de toute façon on en revient à ce que je te disais euh, en termes de droit international est-ce que la légitime défense donne le droit à, à faire n'importe quoi lorsqu'on est dans le cadre pénal ben non, ben là la légitime défense d'un état s'inscrit également de la, dans, le, dans, le, dans le même cadre c'est pas parce qu'on est agressé qu'on doit se permettre de faire n'importe quoi ben voilà euh, concernant euh, justement les bombardements du Donbass, eh euh, c'est très très peu documenté bien sûr, puisqu'on ne parle jamais du Donbass, on dirait que les gens du Donbass dans les médias n'existent pas. Ils n'existent pas, euh, on ne sait pas. Euh, ce sont des Ukrainiens qui sont apparemment euh, asservis euh, par les Russes. Ben non, ce n'est pas du tout le cas. C'est en fait euh, beaucoup de populations euh, russophones qui ont été implantées au début du XXe siècle, justement pour, pour faire fonctionner les, les industries et les mines qui se trouvent euh, dans cette partie euh, de l'Ukraine. Et ce sont des, des, beaucoup de communistes convaincus et qui, ont, euh, qui en fait, se sont rebellés. Euh, face à des mesures de rétorsion linguistique hein, de la part du gouvernement ukrainien en 2014, mais également face à des, 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 des mesures de rétorsion économique, tout simplement de confiscation de, de biens euh, qui considéraient comme appartenant eux à la collectivité, parce qu'en fait on est toujours dans cette vision euh, euh, soviétique de, des moyens de, de production. Donc ce qu'on peut constater, et ça c'est très peu documenté, ça c'est les c les, st les statistiques de, de frappe ukrainienne sur le Donbass euh, en février 2022, ben on voit très clairement qu'il y a eu une accélération des frappes, hein, tout simplement. Donc euh, pourquoi Alors est-ce que, ça c'est la théorie de Jacques Beau, est-ce que c'était pour prévenir que cette offensive euh, des Ukrainiens que les, les Russes ont attaqué C'est vrai que la majorité de, de l'armée ukrainienne était euh, regroupée face au Donbass, environ 100 000 hommes. On n'en sait rien. En tout cas, on ne peut que constater l'accroissement des, des frappes en février 2022 de la part de l'artillerie ukrainienne sur le Donbass, et notamment sur Donetsk. Ensuite, toujours pareil, j'en avais parlé la semaine dernière très rapidement, il y a toujours des, des, des fake news, et plus c'est gros. Plus, il faut se poser la question derrière. Alors la fameuse histoire des, des crématoriums qui au départ suivaient de suivre l'armée russe pour brûler les cadavres des soldats morts et après pourquoi pas ça a été la deuxième version pour brûler les, les cadavres des, des, des civils qui auraient été tués. Donc euh, un dossier qui est très très explicite. Bien sûr une information qui avait été reprise par les médias mais qui n'a jamais été démentie alors que c'était un fait euh, évident et, et bien sûr avec certains experts comme euh, nicolas tinzer qui, euh, qui bien sûr on ont on rajouté là-dessus. Euh, ensuite euh, bien j'en ai parlé euh, rapidement euh, des, des, euh, des, un, des négociations qui s'ouvrent très rapidement dès la première semaine de de l'offensive, avec euh, toujours pareil des négociations qui se passent en Biélorussie à Minsk, et on voit dans le cadre un des négociateurs qui, c'est le négociateur qui va disparaître dans des circonstances curieuses. Il aura d'abord été un traître, puis après il deviendra un héros. Bon, en tous les cas, tout cela n'est pas très clair, et, et c'est ce qui a en tout cas conduit à l'arrêt des négociations. Il y a eu un deuxième, un deuxième individu qui a également disparu dans des circonstances particulières. J'ai oublié son nom qui participait aux négociations. Donc un sûr et l'autre, euh, je, je pense que c'est certain également, mais je ne rappelle plus son nom. Ensuite, on en revient à, à la problématique de, de toute guerre. Donc là, je vais sortir un petit couplet parce qu'on parle souvent d'intérêts nationaux, mais derrière les intérêts nationaux, quels sont les intérêts particuliers notamment les intérêts financiers. Et on parle souvent du système oligarchique russe, qui est un système qui est hérité de la privatisation des, des biens collectifs euh, qui appartenaient euh, à l'État soviétique. Eh hein, bien, il y a eu la même chose dans les années 90 euh, en Ukraine avec la, la construction de fortunes colossales colossale de type mafieuse avec euh, cinq grands oligarques qui détiennent euh, 13% des, des, des richesses du pays, hein, à, à eux cinq. Hein, Igor euh, Kolomovski, qui est le mentor de, de Zelensky. Rina Aknemov qui a énormément d'actifs dans le Donbass, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Hein, et Viktor Pishnouk, euh, Dimitri Fitchak, Petro Poroshenko, qui a été président de Alors, tous ces gens-là ont à la fois des actifs économiques, ils ont à la fois des actifs médiatiques, ils ont à la fois des actifs paramilitaires, puisque nombre, notamment Igor Kolomowski ont, ont financé des des bataillons paramilitaires, notamment le, le bataillon de, de Niépro qui qui, euh, mm. qui était euh, au centre de, de, de la capitale de l'oblast de, de qu'il gouvernait, puisqu'il était également gouverneur de l'oblast dont la capitale se trouve à Dniepropetrovsk. Niep, à Donc on voit cette collusion en fait, euh, entre les oligarques et des intérêts particuliers qui sont très, très importants. Hein. On parle souvent de, également de Mariupol, d'Azovstal, mais Azovstal, c'était une usine qui appartenait à un de ces oligarques. Donc la révolte du Donbass est aussi une révolte euh, de communistes face à une libéralisation du système économique ukrainien qu'ils refusent et également face à des, euh, un démontage de, des droits sociaux et notamment des droits du travail des travailleurs ukrainiens euh, qui, est, qui est un fait. Voilà, j'en ai terminé pour ce, ce petit leitmotiv sur la désinformation. Et puis, conseiller aux, à ceux qui, qui regardent cette vidéo de, de se procurer ce livre qui est passionnant de Michel Collomb. Alors, comme Hervé insiste, bien, moi, j'ai pris contact avec Michel Collomb hein, pour qu'il il il vienne faire un entretien avec nous. Euh, alors dans le principe ça devrait coller euh, il est en vacances si j'ai bien compris donc il est injoignable pour l'instant mais je pense que dès la semaine prochaine on aura euh, on aura une petite idée de du moment où on pourra faire ça je crois que c'est effectivement quelque chose de très important euh, et donc euh, voilà on débattra avec lui si tu en es d'accord Hervé, on débattra avec lui ouais, de, de, de de cette désinformation alors à propos de Réinformation, désinformation. Euh, Scott Ritter, qui est un donc, ancien militaire américain, qui a été un inspecteur euh, en Irak de, de, des armes de destruction massive, qui est euh, un dissident américain incontestablement, vient de sortir un, un film sur YouTube euh, qui, en une première partie, euh, relative à Zelensky. Et donc la thèse, si j'ai bien compris, Hein, parce qu'on on a pu mettre un petit peu de sous-titres approximatifs dessus, sa thèse, c'est que Zelensky, dès le début, était un agent, et un agent de la CIA. Enfin, c'est ce que je déduis de ce qu'il raconte dans cette première partie, mais c'est costaud, c'est documenté, c'est sourcé. J'invite, ça, ça dure une demi-heure et je crois qu'il y aura une deuxième partie, j'invite à aller jeter un coup d'œil dessus parce que moi je pensais que euh, c'était Komolowski qui avait, qui avait poussé pour se débarrasser de Porochenko et dans, dans, dans ses intérêts, que euh, Zelensky était au départ peut-être sincère puisqu'il a promis la paix. Hein euh, et qu'ensuite, face à la pression, face au refus des, des bataillons néo-nazis euh, qui avaient fait un casus belli de la modification de la constitution oui. ukrainienne qui aurait permis de euh, mettre en place un système fédéral et qui aurait permis une autonomie administrative des euh, oblasts du Donbass, euh, je pensais que c'était ça, qu'il avait été de bonne foi au départ et puis qu'il avait ensuite oui. euh, changé d'avis. Euh, il, a de... ouais, il a été menacé de mort. Hein. Oui, oui, je pense. Eh ben, non, mais c'était la garantie d'une balle dans la tête hein, s'il avait touché à la Constitution. Donc, mais, il mais, mais, euh, y a en particulier une, une vidéo qui est assez terrible où il est à une table. Il y a Macron qu'il regarde. Il y a euh, Angela Merkel. Il y a Poutine et Poutine discute de la mise en œuvre de Minsk II et Ismar. Il se marre, il a des mimiques avec l'air de dire cause toujours. Euh, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce que, ce, que, ce que ça vaut. A priori, je suis assez méfiant concernant euh, je veux dire, cette façon de revisiter l'histoire. Euh, et bon, euh, je ne vais pas, pas utiliser l'horrible mot de complotiste, mais euh, le fait de, de, de penser que euh, Zelensky, dès le départ, euh, soit une opération, soit une créature de la CIA, bon, quand on voit ce qui a été fait par les États-Unis, quand on voit le rôle de Mme Nuland, y compris qu'il y a dans ce, cette vidéo des interviews d'elle qui font froid dans le dos quand même, hein, donc euh, sur le, les milliards qu'elle a, qu a dépensés, quand on sait dans quelles conditions s'est déroulé le coup d'état du Maïdan et l'intervention de, euh, de tireurs, probablement des mercenaires, qui ont tiré dans la foule, tiré dans les forces de l'ordre pour provoquer... Le, le, euh, et pour finaliser le coup d'État, on se dit que c'est peut-être possible. Enfin, on verra la deuxième partie. Voilà, bon, et eh bien écoutez, on va vous remercier de votre attention. On va remercier Hervé de de son travail et puis on vous dit euh, bah, la semaine prochaine si tu seras euh, disponible Hervé la semaine oui, prochaine je serai je rentré de, de mon de ma villégiature là. Oui, oui oui parce que bon j'ai appris quelque chose en discutant avec Hervé mais Hervé d'abord il voyage il a bien raison euh, et, et également il est guitariste avec une passion pour le country si j'ai bien compris euh, je la partage en partie je la partage en partie c'est certain euh, euh, spécialité du, de, de ce country je ne suis pas très euh, redneck moi je, je suis plus euh, dans la balade romantique mais euh, voilà mais je trouve que c'est une c'est une musique assez extraordinaire je, ouais, je mon... fais le grand écart je vais de, la, du country rock au punk rock ah oui bah moi aussi hein, je veux dire ça <laughs> il n'y a, a aucun problème de, de, de cet ordre, mais sur cette musique américaine, oui, oui. Et puis, bon, j'ai mon grand, mon grand héros de musique qui était Pete Seeger, qui était un, mm. un, un type assez, assez extraordinaire, qui est mort il y a 4-5 ans, hein, oh. peut-être un peu plus. Comme, comme quoi, on euh. peut être amateur et admiratif de la musique populaire. Américaine, qui est une émanation de la musique européenne de toute manière, oui, oui. et, ne, et ne, pas, ne pas être en accord avec la politique internationale de, de ce pays. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, par exemple, bon, si on lit Jacques London, c'est une de mes des grandes passions littéraires, Jacques London. J'ai lu tout, euh, tout, tout, euh, tous ses bouquins, euh, ou euh, Howard Zinn, qui est un, qui est un, un historien. Et euh, qui a fait une, une somme qui est l'histoire du peuple américain, qui est exceptionnelle. Non, je suis assez fasciné par ce pays. Je reconnais, avec avec sa brutalité, sa violence, les, la, la façon dont il s'est installé là-bas, le fait que ce soit quand même une excroissance du monde anglo-saxon euh, que je regarde parfois avec des pincettes. Hein, euh, je ne sais pas si l'expression est très heureuse. Hein, on ne regarde pas avec des pincettes, ça, ça vaut le sapeur Camembert. Bon, donc, donc voilà. Alors, euh, mon cher Hervé, donc, à la semaine prochaine et merci de votre attention. Euh, très bien. Au revoir. Salut.